Salut à tous, une vidéo aujourd'hui qui va concerner des navigateurs internet, faut bien varier le plaisir. Je vais vous parler d'un fork peu connu de Mozilla Firefox qui s'appelle Pale Moon. À l'origine, c'était un fork qui disait vouloir axer tout sur la vitesse, et après, quand l'interface Australis est arrivée pour Firefox 28, ils ont dit on va conserver l'ancienne interface et aussi optimiser pour la vitesse. Mais à part recoder le navigateur en assembleur, je ne sais pas ce qui pourrait vraiment permettre de gagner de la vitesse au niveau de l'affichage. Fermons la parenthèse. Donc, le site, c'est Pale Moon Project, enfin Pale Moon.org. La dernière version en date, c'est la 26.4.1. On peut télécharger un exécutable. Mais j'ai préféré directement. Voilà. J'ai voulu compiler par moi-même le code source, étant donné que c'est un code source libre. Mais c'est précisé que pour Arch Linux, à faire. Apparemment, la compilation n'est supportée qu'avec GCC 5 maximum. Voilà, c'est précisé. Minimum version, c'est 4.6 minimum. 4.7 ou 4.9 recommandé. 5.0 est expérimental. La 6 n'est pas encore supportée. Bref. Donc, je suis passé par le paquet AUR de Pale Moon. Donc, AUR.archlinux.org. Moon. Donc, j'ai pris la version 26.4.1 et on voit que dans le package build, il utilise GCC 5. Bon, j'ai recompilé avec GStreamer 1.0 au lieu du 0.10 pour avoir une meilleure qualité d'affichage. C'est la seule modification que j'ai faite, mais ça change pas grand-chose par la suite. Et on voit bien qu'il y a GCC 5 qui est utilisé. D'ailleurs, ça regarde bien plus loin. Je ne sais pas où on le voit, le GCC 5. C'est dans le dans le fichier. Le moscofin.in peut-être. Non. Peut-être préciser là, compile from non-get. Voilà, mosconfig.in. Ça doit préciser par là. Non, c'est plus récent. Bang package version, peut-être là sur celui-là. Ah non, à moins que ce soit sur celui-là. Voilà, utilisé par défaut le GStreamer 1.0. Donc là, dans l'autre, ça ne change pas grand-chose. Et si on regarde sur mosconfig.in, le fichier complet. Je vais la trouver. Tree, peut-être. Voilà. On voit bien que c'est précisé par là, je pense. Enfin, ça exporte GCC 5. Bref. J'ai voulu voir ce fork qui s'appelle Goanna. Donc, vous voyez déjà les consonances que ça peut donner. Alors, je vous prouve d'ailleurs que j'ai bien compilé l'ensemble. Voilà. Je vais passer en plein écran comme ça, vous allez le voir. 26.4.1 compilé à 14h35 ce 14 septembre, 7 septembre. Donc, le fork de Gecko s'appelle Goanna. Oui, on a échappé de peu à une substance un peu puante qui est produite par les mouettes. Voilà, c'est à peu près la même idée. Parfois, il faudra se méfier des consonances qu'on peut avoir par rapport au nom. Fermons la parenthèse. Donc, c'est un fork de Firefox 24 qui date de mémoire d'à peu près 2013. Fin 2013. Donc, en gros, il a à peu près 3 ans le fork. J'ai voulu voir quelle était la. Est-ce qu'il y a une énorme différence sur les 3 ans? Et s'il justifiait l'optimisation par la vitesse et la volonté de conserver une interface ancienne est vraiment justifiée sur le plan technique. Voilà. Donc, je vais installer en utilisant PAMAC. D'abord, j'ai essayé Firefox Core. Je prends des versions anglaises, mais les deux existent en français. Donc, je vais commencer par installer Firefox. La version 48.2 officielle compilée de Mozilla Firefox par Arch Linux. Voilà. En complément de mon Firefox compilé maison. Et là, je vais rajouter le paquet Pale Moon qui se trouve ici, qui pèse 26 mégas,
environ. Donc là, je vais installer à partir d'un paquet local. Voilà. J'aurais pu faire un sudo pacman-u ou yaourt-u dans du paquet. Donc on va dans l'étranger. Et on a pas une main qui est installée, qui pèse 72 mégas. 72, 95 mégas. Donc, on va voir déjà les tests de Pale Moon par rapport au format HTML5 et CSS3 test. Étant donné que ce sont deux technologies qui sont assez importantes pour la vie de tous les jours maintenant sur Internet, on va bien voir. Donc, Internet, Pale Moon. Voilà, non, je vais faire un nom pour le moment. Donc, vous savez la présentation à l'époque d'avant Australis. Les grosses nouveautés du logiciel, c'est de proposer DuckDuckGo par défaut. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre DuckDuckGo par défaut dans Firefox. Non, ça se fait en deux clics de souris, mais c'est pas grave. d'avoir un start page. Voilà, donc Pale Moon 26.4.1. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est vraiment l'interface tout à fait classique d'avant Australis. Donc on va voir ce qu'il vaut sur le plan technique. Donc déjà le plan HTML5 test, qui permet d'avoir à peu près le niveau de support du standard HTML5. Oula! 354 points. On va noter ça dans un fichier qu'on va ouvrir. On va mettre Pale Moon 26.4.1 HTML5 354 points. Le test CSS3 test. Non, de descendre. 44%. Alors là, ça fait quand même mal, hein. Ce sont les deux principaux tests. On va voir si on peut, grâce à GStreamer, afficher des vidéos et de l'audio via. Vous voyez aussi la page menu tab est vraiment simplifiée. Donc on va aller sur YouTube pour voir si l'audio et la vidéo passent. Donc bien sûr, c'est sur la page anglaise. Donc ça nous évite Lucas Auchard. Joie. Ou presque. Donc on va prendre. On va prendre. On va prendre celui-là pour voir que ça passe. Bon, mais ça passe. On va voir sur l'audio. On va aller sur Bandcamp, voir si le format HTML5 passe aussi sur Bandcamp. N'importe lequel, on va prendre le premier qui tombe sous la main. C'est pas ça que je voulais. On va prendre celui-là. Bandcamp, allez vous faire voir. Donc déjà, si vous voulez utiliser Bandcamp avec Pale Moon, c'est Flash. Ouais! Dommage. Bon. On va voir maintenant avec notre ami Firefox 48. On va voir aussi quand même si on peut avoir des extensions dans Pale Moon. Ne serait-ce que le bloqueur de pub. Avec un peu de chance, ça devrait être le cas. Donc on va dans Outils, Extensions. On va prendre les extensions Pale Moon, voir ce qu'ils ont uniquement comme extension. Alors extension, qu'est-ce qu'il y a? Update, Appearance, Privacy and Security. Adblock Latitude. Sais même pas ce que c'est. Ce sera un clone léger d'Adblock, plus. Ouais, mais c'est un clone d'Adblock, plus.
Donc, autant dire, avec la politique d'Ak Bloc, on va directement voir si on peut utiliser du bloc. Soyons prudents. Ouais, mais on peut essayer du bloc. Je vais voir aussi quand même si on peut le personnaliser classiquement. Content. Choose. Ouais, donc on peut modifier à volonté la langue. J'ai vu qu'il y avait aussi la synchronisation. Setup Sync. Pale Moon Sync. Ça donne envie. Ouais, d'accord, c'est en gros le Firefox 5 forqué. Donc on va voir maintenant si on peut aller sur YouTube sans se taper les pubs. On va reprendre la vidéo qu'on a. On va prendre notre vidéo. On sait très bien que ça se lève à avoir des pubs. L'avantage quand on redouble, c'est qu'on sait déjà que. Voilà, donc c'est bon, il y a des pubs qui passent. Enfin, qui passent là. Voilà, donc là, déjà, on peut se dire, il fait son âge sur certains plans. Mais jusqu'à quel point fait-il son âge? Donc, étant donné que j'ai deux Firefox, je vais obligé de lancer Firefox à la mimine. Donc, Firefox, moins PE pour Profile Manager, pour créer un nouveau profil. Un profil neutre. Default user essai. Donc là, on va lancer un Firefox 48. Voilà, vous avez un Firefox 48.2. Bon, j'aurais pu le mettre en français, mais le plus important, c'est le résultat des tests, n'est-ce pas? Donc, on va faire HTML5 test.com. Ouh! Ouh là 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 là! Ah oui, quand même, 107 points dans le fion. Ça fait mal sans vaseline. Là, on voit vraiment à quel point, sur le plan du support des technologies HTML et 5 qui sont quand même assez importantes, Pale Moon est à la ramasse. Il n'y a pas autre mot, il est vraiment à la ramasse. 107 points sur un test qui fait 555 points, ça fait dans les 20% dans les fesses. Ah, j'espère qu'il. Oh là 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 là. Et CSS 3 tests, ça donne quoi? Ouh! 20% de différence. Oui, oui. Ouh, c'est pas ça. Je me demande si on peut pas avoir dans les extensions. Je cherchais apparence. Extension. Du spawn. Voilà, ils vont se faire voir. Donc, j'avais dit apparence. On va mettre apparence, peut-être. Appearance. Appearance. Manager. Appearance. Classic chic. Manager. Non, c'est pas ça. Compact tab. On va chercher old appearance. Ah, c'est même c'est ça. C'est pas old location bar. Je sais plus comment ça s'appelle. Merde, on va mettre classique. Parce qu'il m'a pas de classique. Peut-être le classic Sam Restorer, Square Tab, Ab Menu, Add-on Bar, Smart Button. On va essayer peut-être celui-là. On va redémarrer Firefox. Peut-être que ça va donner l'apparence ancienne. Un peu de choses près, oui. Alors, extension, préférence. Ancien bouton Firefox, d'outils. Interface générale, barre navigation, on recul avancé, voilà.
Page nouvel onglet. Rendre blablabla. Interface générale de apparence classique avec des images blanches. Donc là, on peut retrouver l'ancien. Indicateur d'activité. Assistant peut-être. C'est pas ça. Classic System Restorer, avancé, décoché, onglet. Onglet rectangulaire classique. Onglet au-dessous. Voilà. Ok. Donc peut-être. Donc on va récupérer l'ancienne apparence de Firefox. Menu bar. Bookmark toolbars. Et voilà. Donc déjà, on retrouve à peu près l'ancienne apparence. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un navigateur complet pour retrouver ça? Interface générale, bonne notification. Vous voyez, avec le Classic SAM Restorer, vous retrouvez une apparence ancienne. Donc là, après ça, vous avez fait Customize. Et vous récupérez pas mal de trucs, quoi. Donc, c'est pas la peine de... Customize. Utiliser l'ancienne interface de barre de recherche. Voilà. Et voilà, vous avez récupéré à peu près l'ancienne interface de Mozilla Firefox. Mis à part, bien sûr, l'onglet, la barre d'onglet qui est au-dessous, mais au-dessus de... Donc, vous avez vu, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que quand même, le Pale Moon a quelque chose comme 20% de retard par rapport à Firefox sur le support du HTML5. Je vais vous dire ça exactement. Accessoire calculatrice, c'est où? Et zut, je n'ai pas rincé le calculator. Ah, mais j'ai oublié de la remettre, donc je vais la rincer. Je vais la virer sans faire exprès. Oups. Alors, quand on vous dira un jour que Pale Moon c'est mieux, qu'on peut avoir l'interface ancienne, que c'est mieux patati patata, oui, vous pourrez répondre. Si vous te retrouvez avec un navigateur qui a. Alors, j'ai une façon. Alors, on va mettre 461-354. 107 points de retard. Sur 461. Qui a 23% de retard à peu près en termes de. En gros, 107 points de retard. Sur 461, c'est quand même pas mal quoi. 107 sur. Donc en gros. Sur les 555 points, ça nous fait un score, enfin, un total de réussite de 354 sur 555, 63%. Et 461 sur 555, on est dans les 80%, pas loin. 461 sur 555, 83%, oui, donc on est dans les 20% en défaveur de Pale Moon. Il faut vraiment tomber dans l'idéologisme pour dire oui, c'était mieux avant par rapport à l'interface. Ah oui, c'est mieux avant, oui. Vous vous retrouvez avec un moteur qui a 3 ans de retard, pou pou. Côté fonctionnalité, 3 ans de retard, ça fait mal. 20% de différence au niveau du support du HTML5, c'est quand même énorme. Et au niveau pareil, au niveau des CSS3, quoi. Je veux bien qu'avant l'interface était mieux, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais m'occuper de virer. Comme ça, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais enlever Firefox et Pale Moon qui ne me servent plus à rien du tout. Étant donné que j'ai un Firefox compilé maison. Désinstaller. Appliquer. Valider. Et pour info, pour savoir à peu près combien fait notre ami Firefox. Au niveau CSS3 et HTML5, la version 51 qui arrivera d'ici, on va dire, 3-4 mois en version stable.
Là, je vais lancer un profil que j'ai créé. Voilà. Donc, pour savoir à peu près où en est le test HTML5 et CSS3. Donc, HTML5, on doit être dans les 475 points, comme ça. 472, ce qui est quand même pas mal. Ce qui fait 472 sur 555, ce qui fait 85%. C'est pas si mal que ça. Et au test CSS3 test, on doit être dans les 80% à peu près. 74. En gros, on a encore gagné 10%. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.